Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans Kerbal Space Program pour une série, enfin un let's play en tout cas, sur ce jeu. Et donc la série s'appellera Kerbal Space Program parce que on va vraiment, comment dire, faire avec ce qu'on a. On sera pas une grande agence spatiale, mais on va essayer de faire ce qu'on peut pour exploiter un système solaire. Alors, Kerbal Space Program, c'est quoi? C'est un jeu qui a été édité par Squad, un petit studio indépendant espagnol. Et donc le but, c'est de construire des petites fusées, des grosses fusées, des moyennes, et, enfin, des fusées quoi en gros, pour exploiter un système solaire fictif. En gros, on dira... je voulais sortir la formule de Star Wars, mais elle me revient plus. Enfin, dans une galaxie fort fort lointaine, se trouvent des Kerbal qui essayent de conquérir leur système solaire. Donc, un petit Kerbal, c'est ça. Nous, on les appellera, enfin, pour la série, ouais, t'as raison. On l'appellera un carbonaute, comme un cosmonaute, en gros. Parce que dans Coréa, avec un K, Space Program, on va faire un programme à la soviétique. Alors, bah tout de suite, on va commencer le jeu. Alors, je tiens à dire aussi déjà, on va commencer en mode carrière. Je tiens à dire surtout que le jeu a été noté 13 sur 20 par jeuxvideo.com. Je trouve qu'il aurait pu mettre un peu plus, mais bon, ça, c'est parce qu'ils ont testé une version antérieure à la 0.22. C'était la 0.17, je crois, qu'ils ont testé. Et donc, il n'y a pas toutes les fonctionnalités de maintenant. Bien que moi, je connais le jeu depuis le début. Hop là, Korea Space Program. Mais a été noté 18 sur 20 par les fans, ce qui nous donne une moyenne de 15,5 sur 20 si on rassemble les deux notes. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un très bon jeu. Très simple d'utilisation. Enfin, très simple. Une fois qu'on a compris, surtout avec les vidéos, toutes les vidéos tuto, il n'y a pas de problème, il est facile à prendre en main, et donc facile de faire exploser quelques petits carbonautes. Alors, nous voici dans notre centre spatial à nous, donc le centre spatial de Corée. Ici, le pad de lancement, ici, le véhicule d'assemblage des fusées. La tracking station, c'est là où on va gérer les vols qu'on va faire, donc avec un système solaire très complet. Kerbin ici, qui ressemble à la Terre. Moon. Un peu plus loin, Minmus. J'espère faire ça, ces deux planètes, dans l'épisode 2. Eve, qui ressemble à... Putain, j'ai vraiment du mal, moi, avec mes noms de planètes. Vénus, voilà. Mon Dieu. Duna, qui ressemble à Mars, à peu près. Et puis ensuite, Dress, Joule, Ilou. Et encore, chacun a ses petits satellites. Par exemple, Ilou, il en a plein de petits satellites. Regardez, c'est une espèce de système solaire à lui tout seul. Donc on va avoir du boulot dans cette série, dans ce let's play. Il n'y a pas de problème. Seulement, dans le mode carrière, c'est pas comme dans le mode bac à sable, parce qu'il y a un mode bac à sable et un mode carrière. Bah, dans le mode bac à sable, on a toutes les pièces. Pardon. Dans le mode carrière, bah, on n'a pas de pièces du tout. Enfin, presque pas. Donc, c'est pour ça qu'on a un centre de recherche qui va nous permettre de débloquer des pièces. Parce que ça va être un centre de recherche avec nos petits ingénieurs du parti qui vont nous débloquer les pièces, normalement. Donc là, on commence avec ça de base, c'est-à-dire un pod, un réacteur, un booster à poudre, un réservoir liquide, une section de... Enfin, une grille, un truc, je sais pas quoi... Un communautron, donc ça c'est une antenne, et un parachute. Et donc nous, on va essayer de débloquer ça, c'est-à-dire un réservoir un peu plus grand, un réservoir un peu plus petit aussi, un instrument de recherche plus performant,
et un découpleur qui va nous permettre de séparer les étages. Mais bon, ça on verra ça en temps utile. Ensuite on a ceci, qui c'est l'Académie des Carbonautes. Bon, il faut savoir, là il y a deux jauges, il y a une jauge de courage et une jauge de stupidité. Courage, bah c'est ça va déterminer le comportement de votre carbal pendant votre mission. C'est-à-dire, plus il est stupide, en fait, plus la jauge est remplie, ça veut dire plus il est intelligent. Mais de base, un carbonote n'est pas intelligent. C'est un extraterrestre. C'est normal. Enfin, c'est pas un extraterrestre, c'est un carbinérestre. Ouais, attends. Ah non, on dit humain, on dit pas terrestre. Bon, j'en sais rien, c'est un carbal. Voilà, on peut savoir ceux qui sont morts, ceux qui ont été assignés pour les missions, et ceux qui sont disponibles. Alors, on en a trois disponibles de base. Jeb, Bill et Bob, qui sont disponibles depuis la 0.13. Et donc on va essayer de les faire voler, et ça va être marrant. Dans l'écran qu'il va y avoir en bas à droite, vous allez voir, ça va être super marrant. Ici, ça c'est le truc pour les avions, on n'ira jamais normalement. Enfin, moi j'irai jamais, je sais pas faire voler un avion, du coup, je viendrai jamais ici. C'est clair. Donc, nous on va aller dans le bâtiment qui nous intéresse tout de suite, pour un épisode de 30 minutes, où on va faire exploser tout ce qui va nous passer par là. Donc, on va commencer notre première fusée. Alors, tout d'abord, il nous faut un pod. Donc là, c'est là où le petit carbonote s'installera. Ensuite, il nous faut des réservoirs pour alimenter un réacteur. Alors, moi, je vais en mettre 6. Alors, 2, 3, 4. Allez, vas-y. Oups. Hop, 6 et un petit réacteur qui va bien pour faire aller le tout. Ok. Donc, je vais gérer mes étages, parce qu'ici, c'est les étages. Ça, c'est l'étage réacteur, donc ça, on allume ça avant. Hop, ensuite, ce sera le pod. Mais le pod, on va pas l'allumer. C'est, on va utiliser, hop, un parachute. Hop là. Un parachute qu'on va mettre ici. Voilà, pour atterrir. On va mettre deux petites antennes qui vont bien pour communiquer ce qu'on va faire. Voilà. Et c'est bon, notre première fusée est faite et on va l'appeler Project 95. Voilà. Donc j'ai nommé tous mes fusées Project. Hop là. À la mode soviétique parce que je trouve que ça fait super. Et surtout, Project ça veut dire projet. Donc. Et 95, ça c'est une numérotation à moi. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, je vais nommer mes fusées selon des numéros de sous-marins qui sont sortis pendant la guerre froide. Donc le premier sous-marin de la guerre froide, ça a été le Project 95. Alors là, la première fusée du Korea Space Program, ce sera le Project 95. Alors on va lancer ça. Que je vérifie, oui, c'est bon. Donc on va lancer ça. Il faut savoir que on va récolter des données pour avoir des points de recherche pour débloquer des éléments, mais que pour avoir ces points de recherche, il va falloir transmettre les données, et pour transmettre les données, ça va nous coûter de l'électricité, et pour l'instant, tant qu'on n'a pas les batteries, eh ben, on va gérer avec le moteur, parce que le moteur, lui, ce moteur-là, en tout cas, produit de l'électricité. Et donc, on va essayer de transmettre plusieurs rapports pour essayer de débloquer plusieurs éléments en une fois. Alors, on va mettre un petit coup de SAS pour dire que la fusée soit stable. On va augmenter les réacteurs. On va peut-être essayer déjà d'envoyer un rapport. Un rapport au sol, c'est bon. Plus 1,5 science, c'est bon. Donc là, moi, j'ai rajouté un petit mode qui rajoute des voix en fait. Et là j'ai mis les voix russes, si je ne m'abuse. Oui, voix russes, bah, pour le fun. Voilà, pas les voix d'Apollo 11 ni du SSS. Hein. Et comme ça au moins, ce sera un peu moins ennuyant. Parce que je vous dis pas. Enfin, le jeu est bien de base, mais question son, il manque un peu de qualité. Allez, on y va tout de suite. C'est bon. Ça décolle. Donc là, on va recharger. Je vais attendre qu'on soit à 50. Voilà. Et je vais de nouveau envoyer un rapport.
Ok, plus 3,5 science, impeccable. Donc là c'est bon. On a déjà, on va avoir deux réservoirs qui vont être vides. On va renvoyer un rapport. Encore. En profiter pendant que j'ai plein d'électricité. Voilà, plus 1,3. On va commencer à pencher un peu pour essayer de... comment dire? Oula, doucement, voilà. Essayer de s'éloigner un peu de notre pas de tir et essayer de voir d'autres biomes. Parce qu'en fait, si vous voulez, là ce qu'on étudie, les rapports qu'on a, c'est des rapports, comment dire, sur les biomes. Donc en fait ici, je sais pas si c'est un biome désert ou quelque chose comme ça, enfin il y a les biomes normaux, les biomes mer, biomes montagne, biomes désert et tout. Donc il va falloir étudier différents biomes, et là je suis sur un autre biome, donc je vais l'étudier. Hop, plus 3,5 science. Ok. Donc la fusée a l'air d'aller assez vite, 800... Là. On va envoyer un rapport encore. Ok, c'est bon. Carbon is an upper atmosphere, ok, en espérant que ça recharge à fond. Ok, on va couper le SAS parce que ça utilise de l'électricité. Et surtout, j'ai plus besoin de stabiliser ma fusée maintenant que j'ai plus... regardez. Voilà, on va s'éloigner un peu. Vous voyez, le moteur électrique peut produire jusqu'à 0,14 d'électricité lorsqu'il est allumé. Donc, ce que je crains un peu, c'est le parachute. J'espère qu'il est assez puissant pour soutenir tout ce poids-là. Sinon, ben, Jeb, adieu. Donc, on va aller sur la carte orbitale pour voir à combien d'altitude on a été. 126... Ouh, 126 km. Si je gère bien, je peux même faire un rapport hors atmosphère. C'est-à-dire un rapport... Parce que, le, si vous voulez, le... je sais pas... Non, on peut pas le voir. Kerbin a une atmosphère, hein, comme la Terre. Et son atmosphère... comment dire, va jusqu'à une altitude de 70 km. Voilà, à 70 km à peu près, hein, on sait qu'il n'y a plus d'atmosphère, donc en fait, la plupart des vaisseaux qu'on va essayer de mettre en orbite, ce sera à 80 km environ, minimum. 80 km, comme ça au moins, ils ne seront pas freinés par l'atmosphère et donc ils ne rentreront pas. Là, vous voyez, 126 km, là je suis hors atmosphère, mais le problème c'est que voilà, je ne fais pas le tour de Kerbin, donc je vais finir par retomber. Mais en tout cas, cette fusée est très prometteuse. C'est très intéressant. Donc là, on est à 98 maintenant kilomètres. Donc on va faire un rapport hors atmosphère. Ça va nous valoir plein de points de recherche. Voilà, plus 5 sciences déjà. C'est bien ça. Bon, il me reste 16 d'électricité. C'est plus assez pour faire un rapport. Parce que vous voyez, ça utilise en moyenne 40 d'énergie. Voilà, donc on va augmenter un peu le temps. Ah, cannot warp fast. Ah, j'ai pas réussi à l'air. Faster than. Ok, bon, on peut pas. Là, on peut pas non plus. Bon, ok. Bon, bah, on va devoir patienter un peu. Donc, ça, c'est des réservoirs de 90 litres. Enfin, je dis 90 litres pour. Liquid Folder, bon, c'est environ 100 litres, quoi, si vous... Hop. Ça fait, enfin, ça fait des réservoirs de 200 litres au total, parce qu'il y a 110 litres d'oxidizer et 90 litres de Liquid Fuel, donc ça fait des réservoirs de 200 litres. Après, on aura des réservoirs de 400 litres, puis ensuite de 800 litres. Donc, j'ai hâte de les avoir. Mais pour l'instant, ce que j'ai vraiment hâte d'avoir, c'est surtout les batteries. Comme ça, au moins, on va pouvoir, envoyer plusieurs rapports. Ça va être intéressant. Statut flamme out. Ok. Donc, ok. J'aimerais bien quand même pouvoir accélérer un petit peu le temps, un tout petit peu. Donc là, on est au maximum. C'est-à-dire 126 km. Et voilà, là, on va commencer à redescendre. On redescend même assez vite. En attendant, on peut voir hein, le système.
de Carbol, qui est assez complet, franchement. Hein. Je me regardais ça, et celle-là, je crois qu'on ne l'avait pas vue, Ilo. C'est la planète la plus éloignée du Soleil, donc de Carbol. Et franchement, ça va pas être une masse à faire pour y aller, parce que regardez, elle a une orbite excentrique. Et en plus, elle n'est pas circulaire par rapport à Carbol, donc ça va être chaud. La planète la plus facile à atteindre, j'ai regardé sur des statistiques, c'est Duna. Enfin, sur des statistiques, vous voyez, enfin, sur le besoin de carburant, les changements de trajectoire, les choses comme ça, c'est Duna qui est le plus facile. Ensuite, ce sera Eve, qui sera la plus facile à atteindre. Mais on ira vers Duna, parce qu'en plus, elle a à peu près la même orbite que Kerbrin. Et elle est assez facile, elle n'est pas excentrée, tout ça. Donc, ce sera la première planète qu'on ira voir, une fois qu'on aura vu les satellites. Parce que en effet, on va d'abord aller voir les satellites, c'est-à-dire Moon, ici, et Minmus. Voilà, dans l'épisode 2, normalement, on ira voir Moon et Minmus. Je l'espère, en tout cas. Bon, ça me fait chier que je peux pas augmenter le temps. Parce que là, la montée a été extrêmement haute. Et donc, j'aimerais bien pouvoir redescendre un peu. Une fois qu'on aura débloqué les batteries, on débloquera les panneaux solaires pour recharger les batteries. Ce qui fait que on aura besoin de mettre moins de batteries. Parce que là, j'ai fait un essai en mode carrière. Et j'avais besoin d'au moins 50 batteries pour aller... Enfin, 50 batteries, attendez, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 24... Ouais, bon, une quarantaine de batteries au moins. Au moins une quarantaine de batteries pour aller jusqu'à Moon. Et en revenir sans tomber en panne d'électricité. Et pouvoir faire plein de rapports qui m'apportent plein de points de recherche. Alors là, on va re-rentrer dans l'atmosphère. J'espère que je vais pouvoir accélérer à partir de là. Donc là, on est à 76, 75. Regardez l'indicateur atmosphérique. On va bientôt rentrer dedans. Hop, et voilà, regardez, petite aiguille, elle a bougé. Donc là, on va augmenter le temps, là on peut, c'est bien ça. Hop, 40 km. La fusée est rentrée extrêmement vite dans l'atmosphère. Donc je ne vais pas déployer le parachute maintenant, je vais attendre que ma vitesse soit vraiment extrêmement basse, parce que si elle est trop élevée, je crains qu'en fait le parachute ne se barre ou ne se déchire à cause du poids des éléments. Parce que là, je sais plus, on peut faire un tour rapide ici, la fusée pèse encore 2 tonnes 91 hein, quand même. Donc c'est quand même un sacré petite fusée. Hein. Donc là on va attendre 1 km. On va déployer les parachutes. En espérant qu'il ne casse pas. Attention. C'est bon, il n'a pas cassé. Tout est intact. Couper le parachute. Jeb il ferait la gueule. Donc vous voyez en bas à droite, là c'est ce que je vous disais, hein, la jauge de stupidité et de courage détermine son comportement en gros. Et là en fait il est super rassuré parce qu'il se passe rien en gros. Donc là on va peut-être pas augmenter parce que la dernière fois que j'ai fait ça, parce que j'ai déjà fait un essai oui de filmer ma partie. Quand j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait mieux que moi, alors du coup j'ai décidé de recommencer. Et ben voilà. Donc sur 6 parties, il en reste plus qu'une. Ok. Bon, alors, on va ramener la petite fusée avec la 6ème flotte de Corée vers le pas de tir. Et on va procéder à un nouveau lancement. Donc là, on a ramené 26 poids de science quand même avec cette petite fusée. Donc c'est pas mal. Je tiens à préciser aussi qu'à chaque épisode, on va renommer la fusée, c'est-à-dire qu'on va repartir d'un nouveau projet.
Là, c'est le Project 95. Pour le prochain épisode, ce sera le Project 96. Et on verra après ce que on fera. Donc là, ah ben ça va, j'ai encore suffisamment de points de science pour débloquer encore un truc. C'est cool ça. Ouais, j'en ai... ouais, ça c'est carrément cool. Donc ici, on peut avoir un nouveau réacteur qui est moins puissant que le premier. Ouais. Des C-patrons, ça c'est pour éviter les collisions avec... avec vos parties de la fusée, ou des boosters très très puissants. Ici, bon, ça c'est un truc aérodynamique, des ailes ou des découpleurs radiales. Intéressant. Là, je crois qu'on vient de débloquer les découpleurs tout court. Ouais. Sinon, un petit moteur Liquid Fuel Engine, des pieds et des nouveaux parachutes. Bon, alors tout ceci est fort intéressant, mais moi je vais débloquer, oui, c'est vrai. Débloquer des nouveaux moteurs, ou alors ça... Non, je vais plutôt débloquer des nouveaux moteurs. Ça coûte le moins de points de science, et en même temps, ça nous permettra de débloquer plus de choses après, parce que là, 45 points de science qu'il va nous falloir. Ouh, ça va être juste, hein. Donc, il va falloir débloquer les petites batteries, ici, pour avoir plus d'électricité et pouvoir partir sur Moon. Donc, on va modifier le Project 95. Voilà, donc le Project 95 qui est ici. On va l'améliorer. Alors, on va lui mettre un moteur... Attendez. On va lui mettre un petit réservoir, un grand réservoir, un petit moteur, un découpleur aussi pour séparer les étages. Hop. Voilà. On va lui mettre ceci, on va monter un peu le tout. On va bien séparer le tout, ça c'est le moteur, oui. Le parachute, il viendra là. Ok, là c'est impeccable. Donc, est-ce qu'on modifie encore? Ah oui, il y a encore quelque chose à modifier. C'est-à-dire que ça... Ah oui, un découpleur aussi ici qu'il faudrait... Parce que moi, je veux uniquement mon pod. Donc, hop. On va faire ça. Ok. Ah, on va prendre ça. En x2. Voilà. Ça, c'est Mystery Goo, Quaternary Unit. Donc ça, c'est un truc d'analyse pour avoir plus de points de science encore. Donc, on va le... Enfin, maintenant qu'on l'a débloqué, on va l'utiliser... ah oui, et j'ai ces réservoirs là. Donc on va peut-être remplacer les petits réservoirs qu'on a là par des gros. Voilà, ce sera plus esthétique. Donc on va en mettre 3, vu que 3 comme ça, ça équivaut à 6 comme ça. Voilà, le Project 95 commence vraiment à ressembler à une très belle fusée. Voilà, il faut savoir que ce moteur là par contre ne développe pas d'électricité. Du coup, en fait, il va falloir faire nos analyses avant d'utiliser le deuxième moteur. Moi, que j'utilise un moteur comme ça, attendez, combien celui-là pèse? Blabla... c'est marqué total masse 1,25 et total masse 0,5. Non, on va utiliser celui-là. Ouais, mais le problème, c'est que ça fournira pas du tout d'électricité. Bah, tant pis. On fera une seule analyse, hop, on va sauver et on va le faire décoller. C'est parti. Deuxième tentative, on va essayer de faire une orbite, ce que je doute franchement, mais qui n'est pas impossible. Alors, ici, on va lancer une analyse tout de suite. Ok. Alors... Analyse, 20, 40, 60, 80, et pas assez d'électricité, ok, bon bah alors, du coup, on va devoir décoller. C'est bon, 0 de science, bon c'est pas grand chose. Mais en tout cas, ça augmente l'électricité, là, avec le décollage. Alors on va voir si on peut pas, hop, relancer. Ah bah déjà, là c'est mieux. Alors... 2,8, bon, bon, ça paye pas trop trop de mine, mais bon.
Ok, là on va commencer à se pencher. Ok, on va relancer une analyse. 5,4, ouais, ça paye pas vraiment de mine. Ok, plus de... Enfin, je crache pas sur les points de science que cela apporte, hein, quand même. Donc là, on va essayer. Voilà. De... ça m'étonnerait que... Oula, on est déjà sur le dernier réservoir, dis donc. On est déjà sur le dernier réservoir. C'est pas bon du tout, ça. On va lancer une analyse avant de tomber en panne. Ok, c'est bon. Donc, il faudrait qu'on arrive à une altitude de plus de 70 km. Ok. Hop là. 19 km. Ok. C'est bon, il reprend de la vitesse. Là, c'est... Project 95 débris, donc ça c'est notre premier étage. Là on est sur le deuxième. Alors notre fusée ne fait plus que 3 tonnes 13, 3 tonnes 12, oula. En vol, ok. Ok. Donc il utilise de l'électricité. Ok. Et on arrive à quelque chose. Alors, voyons voir. Ok, on est déjà sur le deuxième réservoir. À mon avis, il va falloir éteindre le premier réservoir. Enfin, le premier étage, il va falloir augmenter le nombre de réservoirs pour pouvoir augmenter la puissance et pouvoir ainsi décoller plus facilement. Parce que là, attendez, on va atteindre 52 km. On en est à encore ça, ok. J'aimerais bien atteindre les couches hautes de l'atmosphère pour pouvoir lancer une analyse avec le Mystery Goo. Ok. 73 km. On va couper le réacteur. On va couper le SAS aussi. Voilà, il nous reste ça. Donc on va pouvoir essayer de finaliser une petite orbite, à mon avis. Ce serait pas mal. Donc là, on va augmenter la vitesse pour arriver jusqu'à passer 70 km et lancer une analyse avec le Mystery Goo en espérant qu'on ait assez d'électricité. Et donc ce sera la fin de l'épisode avec cette nouvelle analyse. On essaiera dans l'épisode 2 de compléter notre première orbite, pardon. Et donc ce sera dans l'épisode 3 qu'il y aura un passage vers Moon. Hop. En espérant que j'ai assez, 20, 40, 60, 80, et pas assez, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, alors on va arrêter la transmission. Et donc, nous, on va reprendre là où on était. Attention, je vais remettre le SAS. Ok, et on va redémarrer. Donc vous voyez, ça... ne produit pas d'électricité, ça en consomme. Et donc... Ah là 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 là, mon orbite chute toujours. Ah, j'ai presque plus. Et... j'en ai plus. Ok, bon bah... c'est déjà pas mal, hein. On a fait un tiers de la planète là. Non, pas un tiers, attendez. On coupe en 3. Bon, un peu moins d'un tiers quoi. Mais sinon, ça reste pas mal quand même. Hein. Donc, on va se séparer de l'élément qui ne nous sert plus à rien, c'est-à-dire le module scientifique et les réservoirs. Pour. Oh putain, ça y veut toujours pas. Pour réatterrir sur Kerbin et récupérer nos points de science. Parce qu'en fait, on ne peut pas récupérer nos points de science tant qu'on n'est pas revenu sur Kerbin et qu'on n'a pas récupéré le module.
C'est chiant entre guillemets, parce que quand on va faire des rovers, tout ça, pour aller sur les autres planètes, il faudra absolument transmettre les données. Et donc, ça va être chiant. Enfin, on verra comment ça va fonctionner, mais je dis que ça va être chiant. Parce que là, en fait, il faut toujours récupérer le vaisseau pour avoir les données. Je me demande si en allant sur les planètes lointaines, il va falloir construire un satellite pour transmettre les données et donc on n'aura pas besoin de récupérer le satellite. Ou alors qu'il faudra ramener le satellite sur Kevin absolument. Je sais pas. Parce qu'il y a plusieurs types d'antennes. Donc là, on a les premières. On va bientôt avoir les deuxièmes quand on aura débloqué en même temps les batteries. On aura aussi une troisième type d'antenne parce qu'il y a trois types d'antennes, je crois. Et donc, est-ce qu'avec le troisième type d'antenne, est-ce que ça va transmettre et qu'on n'aura pas besoin de récupérer le truc? On verra bien. Alors, 9 km, 8 km. Vous voyez, j'ai plus de charge électrique du tout. Et techniquement, regardez, si j'essaye de déplacer mon module, là je vais sur les touches, bah, je ne peux plus le déplacer. Parce que j'ai plus d'électricité. Donc il nous faut absolument les batteries en tout premier. En tout cas, moi, pour le Kora Space Program, c'est ça que je vais rechercher en premier, c'est les batteries. Parce que sans batterie, on ne peut pas faire de longues analyses, et du coup, en fait, ça sert à rien d'essayer de faire une orbite ou un truc comme ça quand on peut faire qu'une seule analyse. Surtout avec des moteurs qui ne rechargent pas en électricité. Et surtout quand on a une orbite, on n'a plus besoin de... Hop là. Donc là, on a entendu le premier étage qui s'est crashé dans l'eau. Donc je disais oui, quand on a fait notre orbite, c'est assez handicapant de devoir allumer le moteur pour avoir de l'électricité et pour envoyer des informations, surtout que ça va modifier l'orbite justement, soit la faire descendre vers Kerbin, soit la réaugmenter, et du coup en fait ben, on use du carburant rien que pour transmettre des données. C'est pas très mal. Donc là on va augmenter le truc parce que là je suis sûr de mon coup. Il n'y a qu'un pod, hein, il fait une tonne même pas. Même pas, je sais pas combien il fait, attendez. Il fait... Ouais, moins d'une tonne en fait. Du coup, c'est assez léger. Hop, on va atterrir bientôt. Attention, hop là, et voilà. Enfin, on a améri. Les bâtiments de la flotte viennent récupérer notre petit Jeb, donc qui va nous suivre normalement sur toutes nos aventures. Donc là, on en est à 19 points de science. Intéressant. Donc comme je disais, oui, Jeb va nous suivre sur toutes nos aventures pour débloquer les points de science, sauf si il va mourir, mais c'est tout ce qu'on lui espère pas. Voilà. Alors je vais peut-être faire ça, débloquer les découpleurs, parce que là j'ai 19 points de science, et du coup en fait ce serait assez utile d'avoir des découpleurs pour mettre des réservoirs autour de ma fusée, et du coup pouvoir faire une fusée qui permettrait de faire une orbite complète. Et qui permettrait justement d'avoir plus de points de science pour débloquer les batteries. Mais ça, ce sera au deuxième épisode, parce que là, j'ai vu, enfin, je vois que j'en suis à 35 minutes passées. Et donc, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, et surtout, je veux vous donner un peu de suspense pour l'épisode 2 de Korea Space Program sur le jeu Kerbal Space Program. Donc, comme je vous l'ai dit, épisode 2, la première orbite. Allez, salut à tous!